Philippe, ça t'a compris ou pas? Mais tape pas à la tête, mais t'es malade ou quoi? Il a quatre de bras. Arrête ton cinéma, c'est pas moi que tu vas faire pitié, je te le dis. Regarde, regarde-moi ça. Débile mental. Pourquoi t'as fait ça? C'est pas moi, je te dis. C'est pas moi. Arrête, maman. T'as acheté du beurre, il n'y en a plus. Ouais. J'ai plus ça, là, ça. Pionce ou quoi là? Ginny! Vas-y, dégage, lâche-moi, s'il te plaît là, putain! Ginny! Ciao, Fifi! Faire des courses? Prends-moi un paquet de clopes, s'il te plaît. Tiens. Il en manque? T'en as pas, toi? Non. Bah, je sais pas, démerde-toi, fais pas chier. Ginny! Compte jusqu'à 3. 1, 2. Merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais 3 paquets de Philippe Morris. 4 paquets de Cravana. 5 paquets de Camel. Mmh. Et 8 paquets de... 8 de Gauloise rouge. Ouais, 8. Et c'est tout? Ouais, presque, mais c'est trop mal écrit, là. Allô? Allô, Florent? Ouais, j'arrive pas à lire ce que t'as marqué, là. Hein? Allô? Je t'entends mal, là. Hein? Georgette? J'ai tout mis là-dedans. Pour les compresses, tu les prends à la pharmacie, d'accord? À tout à l'heure. Ouais. Mais le tape pas! Pourquoi tu le tapes? Vous êtes toujours en train de le taper, ce pauvre gosse. Mais il y a le bébé qui dort. Oui, bah le bébé, il y en a marre. Le monde va pas s'arrêter de tourner parce qu'il y a un bébé qui dort. Je dis quoi encore?
Ça va, Fifi? Ouais. Le gars d'EDF qui est là, il veut du fric, là, il va couper. Je lui ai donné tout ce que j'avais, mais t'en as pas un peu, toi? Non, j'ai rien. Presque rien. Ok. Du coup, je suis désolée, mais ça va pas être possible là. Petite Sophie. Il n'y a pas de ficelle, j'ai pris une baguette. Bah, c'est pas grave, ma grande. Ça ira bien. Georgette? Si. Tu veux du gâteau? Hum? Et d'hier. Il est bon. Vous n'en avez pas mangé? Tu sais, moi j'aime bien cuisiner, mais pff, ça s'arrête là. Ben tiens, emporte le reste, va. Tu donneras à ta petite sœur. Comment elle s'appelle déjà? Nadia. Ah. Oui, Nadia, tu me l'avais dit, mais pff. J'avais lu un très beau livre qui s'appelait comme ça. Nadia. Ah bah tiens, j'ai des bonbons. T'aimes ça? Mmh. Et bah voilà. Hop. Et hop. Bon, j'en garde deux. Merci. Bonne journée, Georgette. Ah. Pour être bonne, elle sera pas bonne, hein, mais enfin. Bah, bonne journée à toi, ma belle. T'en as mis du temps, là. Bah, je fais ce que je peux, j'ai eu du mal à trouver des sous, déjà. Eh, merci, hein. Mmh. Tu veux ta part, Fifi? Vas-y, on va. Tu vas où, toi, comme ça? Hein? En bois, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, t'as l'air d'une star. T'es pas une star, si? Non, mais par contre, je t'emmerde. Il a raison, hein. On dirait un clown. Tout le monde se fout de ta gueule, tu te rends même pas compte. Moi, ben, je les emmerde. Et toi aussi, je t'emmerde. Et à part ça, tu connais un autre mot? Mmh. Je t'encule. Je sais déjà ce que vous avez dit. Tu m'étonnes. Le gitan que tu ne connais pas. Souvent je deviens. Mon ciel c'est le sien. Je suis comme lui. J'ai pris le pays.
salut. Ça fait longtemps. En fait, j'étais pas sûre que ce soit toi. Tu t'es laissé pousser les cheveux, non? Ouais, un peu. Bah, t'as bien fait ça, te va super bien. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Rien. On part en vacances, on s'en va, là, cet après-midi. Où ça? Bah, comme d'hab, à l'île d'Oléron, dans ma maison. T'étais venue une fois, toi, non? Non. Il me semblait, t'es sûre? Non, je venais souvent chez toi, mais je suis jamais partie avec vous. Enfin, je m'en rappellerai. Ouais, bah, je dois me tromper, alors. Ça devait être une copine. Tu vas à la boulangerie? Moi aussi. Bonjour. Vas-y, j'ai beaucoup de choses à prendre. Alors, je vais vous prendre 3 pains au chocolat, 1 chausson framboise pistache et 1 sachet de bonbons, le mélange là. J'aime bien manger en voiture, 8h, c'est hyper long. Avec ceci? Oui, ce sera tout, merci. Voilà, 10,50 s'il vous plaît. Ah la con, je crois que j'ai oublié le fric. Tu peux me les prêter? Je te les rends tout de suite. J'habite toujours la rue Mazel, j'en ai pour 5 minutes. Ok. Merci. Je suis vraiment trop conne des fois de... Papa, tu te souviens de Sophie? Attends, chérie. L'arrache dedans, le moment du ski, non? Je suis sur téléphone. Ouais. Donc, je peux pas m'en occuper, je suis désolé. C'est vrai que ça te va bien les cheveux longs. On aurait dit un petit garçon quand t'étais petit. Bah, c'est pas obligé d'avoir les cheveux longs non plus. Enfin, elle a pas besoin de ça pour qu'on voit que c'est une fille, maman. Mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. Je dirais n'importe quoi pour me contredire, celle-ci. Alors, j'ai qu'un billet de 20. Mais c'est pas grave. Merci. Tu veux boire quelque chose, un verre de jus frais? Ben tiens, sers un verre à ta copine au lieu de dire des bêtises. Tu peux rester 5 minutes, hein, on n'est pas encore parti. Faut que j'aille donner ça. Vous partez combien de temps, au fait? Un mois, je crois. Peut-être plus. Et toi, tu vas quelque part? Oui, mais je sais pas encore où. Dans un camping, sûrement. Cool. Alors, bonnes vacances. À bientôt, ouais. Peut-être. Toi aussi. Merci encore pour les sous. Hein. De rien. Tu manges pas? Vas-y, mange. Regarde. C'est mieux là? Je vais peut-être emmener une copine ce week-end. Et laquelle? Jade, la fille du dentiste. Bah, tu la vois encore? Je crois qu'elle était au collège Saint-Pierre. Bah ouais, mais je l'ai revue, on a discuté et puis elle m'a invitée. Et moi, je peux venir? Bah ouais. C'est vrai? Non.
Ouais, c'est moi, ouais. Non, bah, je viens de rentrer, là. Oui, ouais, ouais, t'inquiète pas, j'y penserai. Non, mais j'avais plus de batterie. Atone ? Mais non, mais c'est parce qu'on a fait la fête hier soir. Voilà. Comme ça, pour rien, pour fêter la fin de l'année. Bon, mais de toute façon, on se rappellera. Hein? Ben oui, et passe le bonjour à maman et à Jade aussi. Dis où, c'est bon. T'es qui, toi? C'est Jade qui m'a donné les clés. Elle voulait que je passe de temps en temps pour nourrir ses poissons. Alors ça m'étonnerait, tu vois, parce que comme je devais être là, il n'y a aucune raison qu'elle t'ait demandé ça. Ben, c'est la vérité. Bon. Bah, on n'a qu'à les appeler, comme ça on sera fixés. T'as du bol, ça répond pas. C'est bon, je vais partir, c'est tout. En fait, j'ai pris les clés. Ils allaient partir et j'étais passée comme ça. Je sais pas pourquoi je les ai pris et puis... C'est bon, j'ai rien cassé, j'ai rien volé, y'a qu'oublié ça. Et elles sont où, les clés? J'ai fermé ça à leur place. Et c'est toi qui bois de l'accro ou... Faut que je rentre là. Il est déjà tard. Ouais, ouais, bah ok, vas-y. Ramener des bières, s'il te plaît. Eh, hey, je suis pas ta bonne, hein, t'as des jambes. Oh, Fifi. Cherche ta claque ou quoi? T'es là-haut?
sûr à cette heure-ci? Ouais, je lui promets, là. Il arrête pas de pleurer, putain. Je crois qu'il va pas bien, là. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, j'en sais rien. C'est ses dents, je sais pas. Tu veux que j'y aille? Non, c'est bon. Bon, ben, je vais avec. Non, c'est bon, je te dis. Nous aime personne. Tiens, salut. Tu veux récupérer ton lecteur, je suppose? Ouais, je l'ai oublié. Bah entre, hein, t'es pas interdite de séjour. Excuse ma tenue, hein, je dormais. Ça te dit de boire un café? Eh, c'est vrai que tu préfères la bière, toi. Mais pas à cette heure-ci, quand même. Je vais y aller. Je voulais juste te demander un truc, vite fait. Approche, là, je t'entends pas. Tu l'as dit à quelqu'un pour moi? C'est-à-dire à mes parents, tu veux dire? Je veux bien un café, si t'en fais. Oh, moi, je suis rien du tout, ça se fait tout seul. Et vas-y, installe-toi, hein, fais comme chez toi. Je t'ai mis dessus, que ça te va? C'est quoi tous ces cartons? Mon boulot pour cet été, histoire de m'occuper. Tiens, sers-toi, j'aime pas. Hein. C'est quel genre comme boulot? C'est du courrier d'appel aux dons pour une association, la Mettre Soupli. On livrait ça ce matin à 8h. Tu dois mettre du courrier dans des enveloppes, c'est ça? Et ça. Et on va te payer pour ça. J'espère bien, hein. C'est prévu comme ça, en tout cas. Et il paye combien? Dis donc, t'es curieuse, toi. Pourquoi ça t'intéresse? Comme ça, pour savoir. Bah, je suis payé au carton. Plus j'en fais, plus je serai payé, voilà. Ils en ont besoin pour septembre. Je vais me refaire un, je reviens. En fait, je pourrais le faire, moi aussi. De quoi? Mettre les trucs dans les enveloppes, là. Et tu pourrais, mais t'as pas l'âge de bosser, il me semble. Ouais, mais ils sont pas obligés de le savoir. Mais t'as besoin d'argent ou tu cherches un endroit où prendre des bains? N'importe quoi, j'habite pas dans une grotte, hein. J'ai l'eau chaude chez moi. Ah, mais je voulais pas te vexer. Je suis pas vexée. T'auras qu'un PU que la moitié de ce qu'ils te payent, et je peux même commencer tout de suite, moi. Attends. Tu vas un peu vite pour moi, là. Une minute. Tu fais des études, c'est ça? Ouais, à Paris. T'étudies quoi? Je fais une école de commerce. Et c'est bien? On n'est pas obligé de parler, tu sais. Thank you.
tu nous préparer à bouffer. Tu manges là, non? Déjà? Mais tu viens à peine de commencer. Oui, mais j'ai faim. T'as pas faim, toi? Au fait, t'es là tout l'été ou c'est prévu que tu partes un peu en vacances? Je pars en Australie au mois d'août. Ah ouais, c'est vrai? Non. Je déconne, en fait. Je suis jamais sortie de la France. Mais t'es sortie de Nancy, quand même? Ouais, une fois, je suis allée à Paris avec l'école. Tu veux dire que t'es jamais allée à la mer, par exemple? Bah non. T'as jamais vu la mer? C'est fou, ça. Ouais, alors, je suis pas morte? Bah non. Faut mettre de l'eau, ça va coller. Et toi? Comment ça se fait que t'es pas en vacances? Comment ça? Bah, tes parents, ils peuvent te payer des études, non? Tu dois être pas pauvre. Ouais, bon, on n'est pas millionnaire non plus. Et bon, j'ai toujours plus ou moins travaillé, hein, c'est un principe familial. Mes parents tiennent à ce que je sois autonome, que j'aille surtout pas m'imaginer que la vie serait facile. Et puis, j'avais envie de passer un peu de temps ici, au calme. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Je voulais revoir des amis aussi. Mais bon, j'arrive à joindre personne. Il est pas un peu tôt pour boire ça? C'est que de la bière. Non, mais je parle de ton âge, t'as 14 ans. 15. Bah, t'as pas le même âge que Jade? Non, j'avais redoublé une année. Oui. 14 ou 15, de toute façon, ça change rien. Ça marche pour toi au collège? Pourtant, tu m'as l'air assez futé, qu'est-ce qui va pas? Bon, si, ça va à peu près, mais. Pas trop pour moi, je crois. Dès que je suis en cours, j'ai envie d'être ailleurs. Où ça, par exemple? Je sais pas, n'importe où. Bah ouais, mais. Va falloir se forcer un peu, hein. Si tu veux aller en Australie, va falloir que t'aies un bon boulot dans la vie. Force pas, hein, c'est pas très bon. C'est ta copine? Bien vu. C'est pas difficile, hein. Je devrais voir ta tête. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Rien, tu devrais la voir, c'est tout. Pas facile, les messages, hein. Comme il n'y a pas la voix, ça peut être mal interprété. Ça m'arrive souvent, ça. Pourquoi tu t'appelles pas directement? Oui, on s'appelle aussi, mais pour l'instant, elle est à l'étranger, alors c'est plus simple de... Enfin, plus simple, c'est une façon de parler, hein. Et toi, alors, t'as quelqu'un? Pas que ça à faire. Mais tu dis ça comme si c'était une perte de temps. Bah, peut-être que c'en est une, hein. Le couple que je vois, ça fait pas envie. C'est-à-dire? Bah, au début, ils sont toujours tout contents, après, ils ont des têtes à pleurer et... Ils se tapent sur la gueule, ils s'envoient des vacheries, des fois ils s'envoient carrément à l'hosto. Et c'est sûr que, vu comme ça, t'en as beaucoup des exemples ou... Non, pas tant que ça. Mais ceux que j'ai vus, ça m'a suffi déjà. J'en vois pas beaucoup qui rigolent longtemps. Quel genre ta copine? Elle est sympa. Comment ça? C'est quoi la question? Je sais pas, je demande ça comme ça.
T'as oublié de mettre le stylo, je crois. Hein? Le stylo. Regarde, Nadia. Ça va bien avec le pantalon, là? Oui. T'es où, toi, en ce moment? Ben, je suis là. J'ai trouvé un petit boulot. Je fais de la mise sous pli. C'est quoi, cette histoire? Où ça? Ben, chez Jade. Je travaille avec son frère. Ah ouais? Et il va te payer? Ouais. Ben oui, je fais pas ça gratis. Comme ça, je pourrais t'aider pour tes meubles. Non, mais moi, je te demande rien. Pas, tu ferais mieux de rester ici m'aider plutôt, non? C'est moi qui me tape tout, j'en ai plein le cul de ce bordel. Tu peux me couper, s'il te plaît? Je sais pas, je me demande bien comment vous ferez quand je serai plus là, tiens. Regardez! Ta-da! Putain, mais qu'est-ce que t'as foutu, toi? T'as ri, ce gosse, ou quoi? Il est vraiment atteint, je crois. Ça, c'est l'alcool avec tout ce qu'elle s'est envoyé, l'autre. C'est pour faire son intéressant, c'est tout. Mais arrête, tu trouves ça normal qu'il ait des idées comme ça? Hier, il a essayé de lui faire boire de l'Ajax. Il est fou, Mickey. Mais non, il est pas fou. Allez, viens, va t'habiller, toi. Arrête de bouger! J'arrive pas. Non, enlève pas mes mains. T'en penses quoi, Fifi? Ça fait un peu fine, hein? T'entends ce qu'elle dit? T'es beau comme une fille, mon petit lapin. Tu veux que je te fasse des moustaches? Ouais. Ouais? Attends. Qu'est-ce que tu fais? Je commence à débarrasser ma chambre. Faut que je dégage tout ça avant la fin de l'été. Pourquoi? Comme je suis plus jamais là, ma mère va s'en faire un atelier. Elle a l'intention de se remettre à la peinture. Mais du coup, t'auras plus de chambre? Plus ici, en tout cas, quoi. T'as gardé tes affaires de collège? Au puis de le lycée, même de primaire et même de maternelle. Mais je vais tout balancer là, elle restera à la cave. Tu peux regarder? Ouais. Ah, ça. Si tu veux, mais tu sais, c'est pas fait pour être lu, hein. C'est des délires d'ado. On voit bien les peintures de ma mère. Dans la famille, on a la fibre artistique, mais on n'a pas beaucoup de talent. C'est un vrai problème, ça. Je préfère pas que tu lises, en fait. Pourquoi? C'est marrant. C'était pas fait pour l'être. Mais il y avait des trucs bien, en fait. Hein. Ah bon? Ouais, je riais pas parce que c'est nul. De toute façon, pas obligé de me dire ça, tu sais. Je me fais aucune illusion sur mes talents de poète. Hein. Je ferais sûrement marrer, moi aussi. Tu les as écrits quand? Oh, je sais plus, vers 15-16 ans, par là, quoi.
Quand j'étais ado, j'étais assez inquiétant, je crois. Je me voyais pas de l'extérieur, mais du point de vue de mes parents, j'étais mûr pour l'asile, je crois. Je trouve pas que t'étais bizarre. T'avais l'air intéressant. Et plus que maintenant, tu veux dire? Non, j'ai pas dit ça. C'est toi qui lis ça? Peut-on être gentil et réussir? Non, mais rien que la question, ça pue du cul déjà. Il y a un article sur mon école, j'avais acheté pour ça. Ouais, je veux bien. Je te le refais si tu veux. Oui, mais plus lentement. C'est du chignon pour moi. Bah tiens, je vous laisse une première note déjà pour voir. Voilà, alors après c'est pareil. Do, mi, fa, do. Voilà, encore une fois. Do, mi, do, fa. Et là ça change. Do, 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 do. Tes doigts, tu... faut que ta main soit légère. Vas-y. Ok. On le refait, je t'accompagne. Mmh? Ok, tu rejoues tout pareil, t'occupes pas de ce que je fais. Hein. Je te fais signe quand il va. Bien. Non, je suis une vraie bille, mais tu peux pas t'en rendre compte. Je t'aurais bien appris la suite, mais faut que j'aille rejoindre des potes. Faut que j'y aille. Tu fais quoi? Tu veux que je te dépose chez toi? Non, je vais rester un peu. Je vais finir mon carton. Mais tu sais qu'il est presque 9h. Ouais, je sais. Mais même en usine, on fait pas plus de 8 heures. Je sais, mais comme je suis pas fatiguée. Ok, comme tu veux. Te tue pas à la tâche quand même, hein? Thank you.
T'es encore là? Bah oui, puisque t'es là, oui. Bah comme il était déjà tard, je me suis dit que je pouvais peut-être dormir là. Mais je peux partir si ça te gêne. Non, 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 je te chasse pas, hein. Encore moins à cette heure-ci. Mais on va pas s'inquiéter chez toi? Bah non, j'ai téléphoné. Ça a l'air marrant ce que tu regardes. Mmh. Il est trop fou. Je l'ai pris dans ta chambre. Et t'as mangé liquide à ce que je vois. Mais tu regardes pas? Non, non, j'ai déjà vu. Mais vas-y, hein, te dérange pas. C'est bien. Ouais. C'était agréable d'entendre rien. Quand j'étais petit et que j'étais chez mes grands-parents, j'insistais toujours pour manger à la cuisine. Alors mes parents, ils voyaient un signe de misanthropie, mais... En fait, c'était pour mieux entendre les rires, les voix, les petits silences. C'est un peu dans le lointain, là, comme ça. Tu veux un verre? Bah, faudrait savoir. Un coup, je peux pas boire et après, tu... Oui, bah... De toute façon, tu fais ce que tu veux. Non? Bah ouais. C'était pas bien ta soirée? C'était pas bien, mais comment dire? Tu vois, il y a des amis qu'on trouve changés et on le regrette un peu. Et d'autres qui sont restés les mêmes. C'est pas forcément mieux en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ouais, un peu. Ouais, non, mais laisse tomber. C'est moi. Ça m'énerve d'être comme ça, là, de pas être capable de profiter d'un moment entre amis sans chercher plus loin. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de me rappeler quelle tête t'avais quand t'étais petite. Tu ressembles un peu à Jade, finalement. N'importe quoi. Ouais, c'est peut-être l'âge, en fait. Ça t'arrive d'essayer de t'imaginer dans 10 ou 20 ans? Non. Pourquoi tu le fais, toi? Ouais, ça m'arrive. Et tu te vois comment? Ça dépend. Il y a des fois, je me vois bien. Et d'autres fois, non. Il y a des fois, j'ai l'impression d'être sur la bonne voie, de faire les bons choix. Et à d'autres moments, je me demande si je déraille pas complètement. Si je fais pas n'importe quoi. Et par rapport à quoi? Ben, un peu à tous les niveaux, c'est bien le problème. Tu vois, par exemple, là, je fais ces études, mais... Alors que j'arrive presque au bout, j'en suis encore à me demander si c'était une bonne idée. Bah, tu peux toujours changer. Oh non, là, je peux pas. Non, là, ça fait déjà deux fois que je change, en fait. Et ta copine, elle fait quoi? On s'est rencontrés à l'école en première année. Vous allez vous installer ensemble? Possible. Bien se lancer un jour, hein.
peut pas passer son temps à tergiverser. Donc si je me fie qu'à moi, ça peut durer un moment. Mais en même temps, si t'hésites, c'est qu'il y a peut-être une raison. Tu sais ce que tu vas faire, toi, plus tard? Non, j'y pense pas trop. De toute façon, je ferais bien un truc. Mais j'aurais peut-être commencé alors. À ton âge, on pense que tout est possible. On sera jamais coincé comme tous ces adultes qui nous entourent. Et un beau jour, on se retrouve dans le même merdier qu'eux. Alors là, ça fait tout drôle. Bon, je vais te laisser dormir. Bah non, ça va, je suis pas fatiguée. T'es jamais fatiguée, toi. Mais bon, mais là, ça continue, va faire jour, là. En tout cas, ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Bah, il m'amène des croissants. Oh, quel amour. Madame François, et vous travaillez pendant les vacances? Bah, comme tous les mercredis. Mmh. Ça te dérange si je mets de la musique? Non, non, pas du tout. Faites comme chez vous. Non, je vais y aller, moi. Ah ouais, déjà? Bah, faut bien que je rentre un peu, quand même. Oui. Ok. Eh ben, à demain, alors. Ouais. Au revoir. Au revoir. Angaga hengu ya samu, samu unu. Même pas de boulot. Bah si, justement, j'en ai peut-être trouvé un, tu vois.
Mais attends, je comprends pas en fait. Genre, t'arrêtes pas de dire que le gosse dérange et maintenant tu fais ton cirque. Le gosse t'en a rien à foutre. De moi t'en as rien à foutre. T'en as rien à foutre de personne de toute façon. Tout ce que tu veux, c'est mes allocs. Ah, c'est ça. J'ai attendu tes allocs pour vivre. T'as raison. Bah non, pas pour vivre, pour picoler, c'est pire. Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que j'ai enfin trouvé un appart et que cette clocharde joue les grand-mères tout d'un coup. Oh, mais t'as vu comment elle me parle? Mais j'espère qu'il te parlera comme ça un jour. Tu crois que c'est facile? Il est petit pour l'instant, mais attends qu'il grandisse. On verra. Bah, plus ça sera loin de toi, mieux ça sera, ça c'est sûr. Et c'est ça, mais tirez-vous. On ne me parle plus jamais. T'as compris? Je suis pas prête d'oublier. Petite conne, va. Elle voulait que je paye encore un loyer ce mois-ci. Comment je vais meubler l'appart, ça, sans cogne, hein? C'est vrai, t'as un appart? Mmh. Où ça? Vendeuvre. Juste à côté d'une école maternelle. J'ai même peut-être trouvé un boulot. C'est cool, tu dois être contente. Ouais, bah un peu que je suis contente. Je compte les jours, là, putain. Regarde-moi là, celle-là. Pourquoi t'écris pas pute directement sur ton front? Mais qu'est-ce que t'as, toi? Pourquoi tu m'agresses? Bah, je sais pas, regarde ce qu'elle a écrit sur l'ascenseur, tu comprendras. C'est bon, Fred, je l'ai effacé. Et le reste, tu vas l'effacer? Eh, hey, mais ferme voir un peu ta gueule! C'est pas moi qui fais un gosse à un gros con, d'accord? Je sais ce que je fais, moi! Ok, ouais, on en reparlera. On en reparlera de quoi? Tu coûtes me lâcher quand, sale salope, va? Putain! On se demande pourquoi je rentre jamais dans cette baraque de merde! Quelle conne, celle-là! T'as pas marre de tes enveloppes, là? Je me suis un peu. T'as pas envie de prendre un peu l'air? J'ai des amis de mes parents qui ont une piscine. Ils m'avaient proposé de passer quand je voulais... Bah, lui piquer une tête, si ça te dit. Ça te dit? Bah, ouais. Ouais, à fond. Et bah, t'as qu'à prendre un maillot à Jade, elle doit bien avoir ça. Ce serait mieux de pas fumer, c'est la bagnole de ma mère. Même si je joue la fenêtre? Je préfère pas, elle est casse-couille avec ça. Je vais prévenir qu'on arrive. Parce qu'ils seront là? Ben oui. Et tu croyais que... Bah non, non, je sais pas, je croyais qu'ils étaient en vacances. Bah t'aimes bien être seule chez les autres, on dirait. Moi, si tu veux, je leur dis de dégager. Ton amie, peut-être. Comment elle s'appelle déjà? Sophie. Mais c'est pas une amie, hein. Enfin, si, mais c'est une copine de Jade. Ah oui, je me disais, elle est peut-être un peu jeune. Tiens. Merci. Et il bosse tout l'été, Adrien? Ah non. On va partir, heureusement, j'ai hâte. Il fait une de ces chaleurs. Toi, tu regrettes pas trop d'être resté? Non, ça va. Je sais pas si je vais tenir jusqu'à la mi-août, mais... Tu veux boire un truc, Sophie? J'ai pas soif, merci. T'es sûre? Ouais. Ah, oh, je rêve d'une trompette de 9h ce matin. Ah, j'ai le slip en l'envolée, je vous raconte pas ce qu'il y a dedans. Et toi? Salut. On est content de le savoir. Ah, mais pas autant que moi, dans une minute. Mamie, pas autant que moi. Ça va, fils? Ah oui, tu lui laisses un livre, là. Tranquille pour la journée. C'est qui dans l'eau? L'ami de Stéphane. Eh ben, dis-lui que j'arrive. Et que ça va faire vermou. Oh non! Allez, c'est parti! Ça m'aide pas, Adrien, s'il te plaît! 1, 2, 3, pom, pom, pom!
hein. Attends, non, Sophie, là. Non, j'ai tout misé sur toi, là, tu peux pas... Tu peux pas me décevoir comme ça, là, non, allez, allez, montre-nous ce que t'as dans le slip, là. Adrien. Quoi? Reste poli. Ouais, je suis poli. C'est pas ce que j'entends. Eh ben, écoute pas. Ça va? Ouais. Ouais, ben, voilà, c'était Inès, 17 ans. Tu en as peut-être remarqué, c'est une fille, hein. Et en l'occurrence, c'est la mienne. Mais elle m'adore, hein, faut pas croire. Hein. Elle me le dit tous les matins en m'apportant mon petit café. Hein. T'es prêt, Johan? Tu veux une leçon? Je parle pas trop vite. Allez. Allez, le vétéran. Oh non! Elle a l'air chouette, ta copine. Elle a l'air sympa. Ah, mais c'est vrai qu'elle est encore très jeune, cela dit. Hein. Bah, t'attendais pas encore à sucrer les fraises, toi non plus. Hein. Pas comme celui que t'as en face de toi. Ça va comme tu veux, ma petite Inès? Non, réponds pas, surtout. Elle est sympa, hein, la gymnase. Hein. Pour elle, je dois être quelque chose comme un gros rat. Hmm? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, allez, je te laisse aux manettes. Je cherche à la salade. Tu ferais bien un truc, en fait. Comme quoi? Je sais pas. T'as qu'à décider. Tu peux mettre de la musique, si tu veux. On va rouler un peu. Non, c'est bon. J'aime bien rouler en voiture. J'ai hâte de passer mon permis. Avant, mon beau-père avait une bagnole et des fois, on bougeait un peu. Mais après, elle est tombée en panne. Il l'a encore, mais comme il n'a jamais les sous pour la faire réparer, bah... Des fois, il dort dedans quand il dispute avec ma mère. Et ton vrai père, il est où? Je sais pas. Comment ça? Bah, il est parti quand ma mère était enceinte de moi. Je l'ai jamais connu. Mais je m'en fous de toute façon, il paraît qu'il était à moitié cinglé. Ouais. Tu viens?
Ouais, j'arrive, je vais me chercher un sandwich. T'as de l'argent? Quoi, c'est payant? Toi, tu t'emmerdes. Je me trompe? Ouais. À quoi? Ouais, j'ai bon ou j'ai pas bon? T'as pas bon, je viens juste d'arriver. Peut-être que dans une heure, on verra. Tu vas faire un tour de pédalo? Non, ça va, merci. Peut-être tout à l'heure. Oh putain, tu remets-toi tout à l'heure. Je m'appelle José. Et j'ai un casier vierge. T'en mets pour toi? Alors, quand quelqu'un se présente, faut dire enchanté ou ravi. Et tout de suite après, tu te présentes aussi, comme ça on se parle, tu vois. Sophie. C'est vrai? Ah, je crois pas, putain. Mais tu pouvais pas me faire plus plaisir. C'est quoi? J'ai ma grand-mère qui s'appelait comme ça. Je te crois, ouais. Attends, on se connaît depuis une minute et tu me traites déjà de menteur? C'est un malin, ça, Sophie. Ok. Hein? Je vais péter. Et t'as raison de venir faire du pédalo avec moi. Mais pour ce qui est de ma grand-mère... Là, je m'enfile un bout de ton casin. Non, ben... Pour ma grand-mère, je te jure que c'est vrai. Hein. Putain, mais elle était trop mignonne, ma grand-mère Sophie. Elle mettait encore des petites blouses à poche, tu sais. C'est là, les petites blouses à poche avec les grosses fleurs partout. Ça puait à mort chez elle, elle avait si chaud. Mais j'aimais bien, tu vois. Elle m'aimait bien aussi. Eh, tu sais quoi? Alors, je t'invite à soir. Hein. Je me suis dit, celle-là, je l'ai fait. Celle-là est pour moi. Non, toi, je suis franc, je te le dis tout net, cash. Maintenant que je sais ton nom, si tu me demandais de traverser le lac à la nage pour te ramener une pâquerette, bah moi je... Bah vas-y pour voir. T'es sérieuse? Mmh. Attention Sophie, hein. Moi quand je dis un truc, je dis pas de la merde. Mmh. Allez, viens, on danse. Non, je danse pas moi. Allez, vas-y, pour me faire plaisir. Mmh, je reste ici. Je reste ici? Mmh. Alors je vais chercher à boire. Et tu t'en fais pas, ok? Tu bouges pas. Reviens. Enfin, je sais pas, c'est un truc, normalement c'est le partage, la coloc. Et donc j'en prends un quand même. Et elle me dit, non meuf, c'est pas possible, là c'est bien. Je dis, bah c'est non. Enfin, je sais pas, on partage le truc, on fait un... Et je sais pas, c'est...
Je me suis dit, est-ce qu'elle va faire ça avec les cuillères aussi? Enfin, il y a un truc, c'est chiant en fait, c'est lourd au quotidien. Et je me suis dit que je pouvais plus faire avec elle. Du coup, on a arrêté la coloc il y a 4 semaines là. Et je pense que, enfin, je sais pas si c'est elle qui va se mettre toute seule ou si c'est moi. J'ai envie de t'embrasser, Sophie. Et encore, je suis poli. T'es vachement mignon en fait. Tu vois, je te regarde depuis tout à l'heure. Tu ressembles pas du tout à ma grand-mère en fin de compte. En fait, mais t'as quel âge en fait? T'as même pas 18 ans, toi, non? C'est toi qui es là, Sophie? Ouais, je suis là. Ça fait une heure que je te cherche, je vais rentrer, moi. C'est qui ça? Tu connais ça? C'est Stéphane, un pote, je suis venu avec lui. Bon, j'entre, on y va. Mon pote, je te ramène, moi, vieux, si tu veux. Aussi, viens une minute avec nous. Bon, allez, Sophie, on y va. Ok. Bah, attends, tu t'en vas, là? Mais non, putain. Si, j'y vais. Merci pour le verre. Mais merci, moi, au cul, quoi. C'est quoi, ces conneries, hein? Mais allez, c'est moi, cassez-vous, là. Salut. Ouais, salut. Tu vas où, là? Je voudrais m'arrêter un peu. Je crois que j'ai trop bu. C'était bien? Oui, c'était bien, ouais. Tu m'impressionnes? Tiens.
T'as froid? Non. Enfin, si, un peu, mais c'est... C'est pas désagréable. Je me sens bien, là. Maintenant. Tu ressens la même chose que moi. Je sais pas, qu'est-ce que tu... Ben, je sais pas. J'ai l'impression d'être au bon endroit, au bon moment. Juste au bord de ce lac, là, au milieu de la nuit. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et toi? Moi quoi? Mais je sais pas, tu dis rien. T'es contente d'être là? Bah oui. Qu'est-ce que tu fais? Tiens. Mais non, non, mais tu vas avoir froid, toi, il y a du vent. Et... Non, c'est bon, moi je suis pas mouillée. En merci. Fait, ben, je me... Voilà, je me demandais... Si jamais je viens à Paris, je pourrais venir te voir. Oui, bien sûr. Oui. Pourquoi tu me demandes ça? Tu sais, Sophie, je suis très content de t'avoir rencontré. Que ce soit à Paris ou ailleurs, je serai toujours content de te voir. On va y aller. Je vais t'attendre dans la voiture. Attends.
vache, t'es classe. Bah ouais, faut bien quand même des fois. Bon, je vais aller faire un tour en ville, tu veux venir? Non, j'ai des trucs à faire. Ok. Moi. Toi, tu veux venir? Oui. Allez. Est-ce que tu pourrais acheter une glace? Ouais, on va voir. On y va? Allez, à plus tard. Ah, t'es là. J'étais pas sûre de t'avoir entendu. Ça va? Ouais. T'as tout rangé? Comment ça se fait? T'en veux? Figure-toi que j'ai fait une insomnie cette nuit, alors j'ai bossé, je voyais pas quoi faire d'autre. Et tu vas pas demander d'autres cartons? Non, c'est pas prévu, non. En fait, je rentre à Paris. Je vais finir de débarrasser ma chambre, aller livrer les enveloppes, et puis je vais rentrer, me remettre les idées en place. C'est pas une surprise, hein, je devais rentrer de toute façon. J'avais besoin de réfléchir. En principe, j'étais venu là pour ça, et... au lieu de ça, je fais n'importe quoi. Comme t'as pu te rendre compte. Mais moi, je comprends plus rien, là, quoi. Je croyais que... Justement, tu vois bien que je déraille complètement, là. Sans ça, tu serais même pas là à m'écouter. Mais t'as 15 ans, Sophie. Rien que de le dire, ça me paraît clair. De toute façon, j'ai rien à t'apporter, moi. Je suis même pas un ami pour moi-même en ce moment. Je suis qu'un pauvre connard, comme il y en a plein, qui sait pas ce qu'il veut, qui perd son temps et puis qui fait perdre aux autres. Tu me trouves intéressant parce que je suis plus vieux que toi, mais si t'étais plus mûr, tu te rendrais vite compte de ce que je te dis. Et ils vont te payer quand? À la livraison, là, donc dans pas longtemps. Je t'enverrai ça. Ok. Ben, je vais me tirer, alors. Je me demandais si tu vois pas me filer une petite avance. Si, ça peut se faire, si. Combien? Bah, beaucoup, peut-être 50 si t'as. Entre. Non, c'est bon, je t'attends là.
J'ai même 60 si tu veux. Vas-y, envoie. Bon bah salut alors. Au revoir. Au revoir Fifi. Tu sais, elle te répondra plus. Elle était à l'hôpital depuis 2 semaines. C'est toi la petite qui lui faisait les courses? Rentre chez toi, va. J'en peux plus là. Je te pose un peu. Un petit peu. 2 secondes. Maman revient. Va bah à Vendeuvre, Fifi, pas en Chine. Mais viens avec si tu veux. Non, y a pas de place. Bon, ok. De toute façon, y a le bus, ok? Tu passes samedi? Je te ferai un gâteau.
soir, je suis Stéphane, ami de Sophie. Un ami? C'est bien ça, les amis. Elle est pas là. Mais non, elle est pas là, là. Il cherche Fifi. Bah, fais-le entrer. Eh ben, je savais même pas qu'elle travaillait, moi. Elle est très secrète, hein, elle ne dit pas grand-chose. Mais bon, même si on ne me dit rien, j'en sais toujours plus qu'on le croit. Et toi, tu fais quoi, toi, dans la vie? Je fais des études à Paris. Ah, doit être chouette, ça, de vivre à Paris, non? C'est bien, oui, c'est... Je repars demain, c'est pour ça... je voulais passer lui donner ça. Oh, mais c'est gentil. Elle sera contente. T'es un peu son patron, alors. Ah non, pas du tout. Bah. Tu l'as virée, si je vois clair. Elle était toute énervée, toute triste. C'est pas son genre, d'habitude, hein. Elle est pas bête, hein, ma Fifi. Elle pourrait faire des études aussi. Hein. Ah oui, oui. Mais il n'y a pas de raison qu'elle en fasse pas. Parfois, elle me sort des mots. Je piste rien. Hein, je sais pas, des études. Je crois qu'elle est trop pressée de travailler. Pas pourquoi, d'ailleurs. Peut-être pour pouvoir partir. Elle t'a parlé de moi? Tiens, donne-moi ta main. Allez, je vais pas te la manger. T'as des très belles mains. Alors, tu veux savoir ce que ça raconte? Oui. Vous avez pas payé pour ça, j'espère. Chut, laisse-moi me concentrer. Tu vois du changement. Ah bon? Ouais, tu vois, là, il y a une petite ligne, là, qui percute la ligne de vie. Ça, c'est signe de changement. Tu dis ça à chaque fois. Non, mais c'est possible, hein, je réfléchis justement à changer d'études ou peut-être à partir à l'étranger. Ben, ça doit être ça. Ouais. À mon avis, tu vas pédaler dans la semoule un petit moment. Hein. Parce que des petites lignes, il y en a plusieurs, tu vois. Elles partent de la ligne de chance, elles percutent la ligne de vie, et ensuite elles vont jusqu'à la ligne de cœur. Ah. Mmh. Faut pas avoir peur, parce qu'après ça file bien, tu vois. Nadia, je t'ai vu tout ça. Regarde, tu l'attrapes. Mickey, t'es chiant là, arrête en fait. Arrête, Mickey. Trop moche, t'es chiant. Regarde comment elle est moche. Mickey, tu l'auras pas. Et ben non, elle va crever ta pelle. Tu vas où là comme ça? Comment ça, où je vais? Putain, maman, mais tu sors là, tu peux pas t'habiller comme tout le monde. Hé, du calme, Paulette. Je descends les poubelles, je vais pas au bal. Tiens, il y a ton ami qui est passé. Il est venu ici? Ben, j'ai pas rêvé en tout cas. Et il est rentré? Mmh. Bavardé un peu. Très gentil garçon. T'as de la chance d'avoir un copain comme ça. C'est pas mon copain. Je sais. Ça te va bien en tout cas. Joli ce qu'elle t'a fait. Il a dit quelque chose? Oui, il avait un train à prendre ce matin. Puis il m'a dit de te dire au revoir.
Christine. Mais on va où, Fifi? Tu verras bien. On part en vacances? Non. Enfin, si, mais pas longtemps.